dans cette saison, nous allons étudier Dieu dans une dimension très élevée. Et chacun de nous obtiendra une connaissance qui va lui donner la possibilité de vivre une dimension de vie différente. Moko na moko akoyeba kozwa oyeza motuya pote abika bomoi oyo ekeseni. Nous prendrons tout notre temps pour développer ces choses. Tokozwa tango mingi pona koyumi na kati na yango. Il se pourrait que cela nous prenne 2 mois. Yango ekoki kozwa biso sans ami balé. Et dans plusieurs thèmes différents. Na kati ya malako ya bokeseni penza. Amen. 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 Dieu est un Dieu de caractère. Yahweh ensemble est un caractère. C'est quelqu'un qui suit ce qu'il dit. Il a des principes qu'il respecte. C'est pourquoi il est Dieu. La Bible dit qu'il ne change pas. Aza oyo alandaka oyo alobi alandaka makambo yemo ko atrasé yango Bible lobate azali nzambe wa bongo na kati. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne que Dieu ne change pas. C'est pourquoi tout le monde l'adore, c'est pourquoi tout le monde sait qu'il est fidèle. Amen. Amen. Mais ce matin, notre thème sera « Comment vivre la plénitude de sa vie ?» Donc, comment vivre la plénitude de sa propre vie? Donc, autrement dit, chacun de nous a une vie, mais comment arriver à vivre la totalité de ce que Dieu attend de ta vie? Et la vie que Dieu attend de nous, c'est ce que nous appelons la plénitude de la vie. La vie ne peut pas se vivre que si nous vivons. La vie ne peut que se vivre que si nous vivons la plénitude de la vie. Toute vie qui se résume à l'existence est une vie ratée. Plusieurs personnes ne vivent pas la vie que Dieu a réservée pour eux. Pour une raison ou une autre. Et la plupart dans la vie qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, de mener aujourd'hui, la vie qu'ils mènent est une vie qu'ils ont adaptée en fonction des situations de leur vie. Ils ont adapté par rapport aux réalités de leur vie. La plupart sont devenus des coiffeurs, non pas parce qu'ils savaient coiffer, mais parce que la vie leur a imposé un autre choix. Est-ce que vous comprenez? Certains sont mariés à des blancs, d'autres à des noirs, parce que la vie leur a imposé quelque chose qui nécessite ce mariage, tel que ceux qui cherchent à avoir des papiers. Comme ils peuvent avoir besoin d'une situation régulière avec l'état d'un pays, ils préfèrent épouser un autochtone pour avoir les papiers. Donc c'est un mariage, c'est une vie qu'ils n'avaient pas choisie, mais une vie qu'ils s'est décidé de prendre parce que tout simplement elle leur a été imposée. Et le message de ce matin, qui va être sous plusieurs chapitres, aujourd'hui c'est le chapitre premier, le message de ce matin va nous aider à entrer dans la plénitude de la vie qui était réservée pour toi. Maman,
N'ont pas une vie que tu t'es forcé d'avoir ou une vie que tu as finalement acceptée. Mais une vie qui t'était destinée. Mais une vie qui t'était réservée. Je crois de tout mon cœur que toute personne qui fabrique une chose est la seule habilité à l'utiliser ou bien à connaître comment l'utiliser. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Il y a ici des chauffeurs qui ne sont pas censés être des chauffeurs. Savoir conduire un véhicule ne fait pas de nous des chauffeurs. Mais aujourd'hui, quand les choses sont difficiles, on dit souvent que je sais conduire, on peut ne fût-ce que être chauffeur. Être chauffeur est une grâce exceptionnelle. Qui seul ceux qui sont appelés à l'être pourront y réussir. Être taximène est une grâce exceptionnelle. Seuls ceux qui sont appelés à l'être arrivent à faire de bons rendements financiers par jour. Oui. Alléluia. Oui. Si vous ne l'êtes pas, vous ne comprendrez pas le nombre de crevaisons, le nombre de pannes qui va vous suivre. La Bible enseigne que Dieu voulait qu'on construise sa maison. Il avait demandé qu'on puisse choisir un certain nombre d'architectes, un certain nombre de maçons, de charpentiers que lui avait loin de son esprit. Donc, même quand il faut devenir maçon, on ne le devient pas parce que la vie est difficile. Le devenir parce que la vie est difficile, c'est vivre une vie que vous avez vous-même créée et non pas la vie qui vous était réservée. Autrement dit, vous ne vivrez pas la plénitude de la vie que Dieu vous avait prévue. Lorsque vous enceintez, vous mettez une grossesse à une fille, comme on dit souvent dans chez nous ici en Lingala, on dit lorsque vous saintez une fille. Ce qui au combisimo na moi si Dieu. Alléluia. Amen. La langue, le Lingala est une très belle langue parce que c'est l'une des seules langues du monde la plus facile. Je ne sais pas si vous le savez. Parce qu'elle est l'une des seules langues du monde qui se parle avec le français. Ah, c'est démontré ce que j'ai dit. Et parmi ces langues, il y a aussi le guadeloupéen, qui est une langue très, très influencée par les colons français. Amen. 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 Alléluia. Et chez nous, nous disons que si vous saintez une fille, si vous engrossez une fille, ce n'est pas la condition sine qua non pour l'épouser. Épouser une fille que l'on a engrossée parce que l'on a engrossée n'est pas une vie qui nous était réservée. C'est une vie qui nous est imposée. Je ne sais pas si quelqu'un suit. Dans toute vie imposée, il y a des problèmes qui vous attendent. Épouser une fille parce que on vous avait dit que c'était la fille d'un ministre. Ce mariage aura des conséquences très négatives. Très très négatives. Parce que vous n'aviez pas épousé selon le plan, mais vous avez épousé par une contrainte de besoins financiers. Si quelqu'un comprend. Lorsque votre fiancé a rompu avec vous, le premier monsieur qui vient après n'est pas la bonne personne à prendre en mariage. C'est une personne qui vous est imposée dans un moment de choc. Ceci vous emmènera pas à bien analyser le choix que vous êtes en train de faire. Donc, ça devient une vie imposée et non pas une vie
programmé. Soki okabwani na mobali oyakoya sima na ye azali malamu te po na yo pote ya ya kucho na pasi ozui tango ya kokanisa te okokota na bomoi oyo babongisela yo te mais si, oyo moko ni bongiseli. Si le pasteur aujourd'hui pêche et il abandonne le ministère, soki mobate li pate asumuki pe a quoi ici na se toi tiki le tomo que papa Tracien cherche à prendre la place du pasteur pour le remplacer. Et on a tina te que papa Tracien abeta motolo amatali ko sina deviendra pour lui une vie imposée et non pas une vie programmée. Et ko comme la ebo moy o ya ni sieli mais kasi o la beka ya sala te. Tout ce qui est imposé oh nyoso ba imposé yo beaucoup de problèmes. Et ko yela yo makambo kili kili. Qui a compris? Lorsque vous déménagez d'une maison à cause de l'augmentation du loyer, et que vous cherchiez à trouver une nouvelle maison, si votre bailleur vous exige de partir dans une semaine, cette pression peut vous conduire à prendre une maison qui vous est imposée et non pas qui a été programmée. Vous êtes en train de comprendre ce que nous allons dire ce matin. Nous sommes donc en train de parler d'un choix de vie qui nous arrive de faire, non pas parce que cela nous était programmé, mais tout simplement parce que cela nous est imposé. Il y a des femmes qui sont dans nos maisons, des maris qui sont dans nos maisons, des maisons que nous avons, des voitures que nous avons, un travail que nous avons, qui ne sont pas ce que Dieu avait programmé. Et ça n'a pas si, mibal, biloko, bosui, bandako, oyo tozan ango na bomo inabiso, et ça biloko outi, na nzambete, et ça biso na bomo inabiso, na qui a compris cela? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Alors, c'est pourquoi nous intitulons cela, ces longs enseignements que nous aurons. Comment vivre la plénitude de sa vie? Yango to kolobela malako na biso to bengi yango na kombo. Lulenge kani yo moto ko ikobika bomo ya ko fuluka. Alléluia. Katina yo. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu choisisses de vendre les beignets? Les beignets, il faut être loin pour les vendre. Pona nini lelo komiko te kamikate. Je vous dis la vérité. Pote kamikate sengeli ba pakola yo mapa. Ce n'est pas un choix de contrainte, c'est d'être un choix programmé par la volonté suprême et divine. E sengeli nango yango euta na mokano na nkolo. La plupart de nous, lorsque les choses compliquent, on a des choix de métier qui nous paraissent être les choix qui nous est offert par Dieu. Or, en réalité, ce n'est pas le choix de Dieu, mais c'est une imposition de la mauvaise vie. Mingi mingi soki bomo yekomi passe et kotinda kabiso to kota na bomo yoyo. Biso moko to mitie me kasi yango uti te bongisa mina nkolote. Pour comprendre ce thème, pour comprendre c'est quoi la vie. Pour comprendre c'est quoi vivre la plénitude de sa vie. Pour comprendre c'est quoi la vie. Comment Dieu comprend la vie. Okay. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Si tu me suis, je voudrais que tu lèves la main. Maroko. Gloire à Dieu. Amen. Il y a donc une grande différence entre la vie et l'existence. Pour comprendre c'est quoi la vie, il faut comprendre c'est quoi l'existence. Suivez-moi attentivement. Ce qui existe ne vit pas nécessairement. Mais ce qui vit a d'abord commencé par exister. Alléluia. Amen. Suivez-moi attentivement. Surtout vous les femmes qui avez pris l'habitude de dire une phrase très démoniaque, vous dites que l'âge est avancé.
Qu'est-ce que je peux encore faire? Que je prenne au moins ce jeune garçon ici pour qu'il puisse m'aider, moi et ma fille, une vie imposée. Tous les mamans et les papas qui dites souvent à vos enfants, épouse plutôt celui-là. Parce qu'il a les moyens, il va prendre soin de nous. Vous vous mettez dans des problèmes. Alors, l'existence, c'est ce qui existe en fait dont nous parlons. Ce qui existe obtient une existence. Alléluia. Et lorsque une chose existe, cela ne veut pas dire qu'elle vit. Alléluia. Cette chair existe. Ah, chair n'a mis ça pour exister. Mais elle ne vit pas. Mais elle vivre, tu sais. Qui a compris? Sœur, est-ce que vous me comprenez? Ce qui existe, on ne sait coexister, ne vit pas nécessairement. Alléluia. Ce ventilateur existe. Ventilateur ça coexister, mais il ne vit pas. Mais au vivre t. Oui ou non? Yes. La chaise sur laquelle vous êtes assis, qui tient le vendelu, existe. Elle existe. Mais elle ne vit pas. Mais au vivre t. Il y a aussi plusieurs personnes qui sont ici. Mingi pe kati na biso to vandia qui existe. Bazo coexister, mais ils ne vivent pas. Mais ba vivre t. Alléluia. Vous me suivez? L'existence se définit par le fait de naître. Olotobengi existence to limbi yango boye ezali lolenge ya kobota. Donc tu commences à exister quand tu nais. Obandi ko exister tangu yo obota. Quand vous ouvrez une boîte de lait, tangu fungoli boîte miliki, on a écrit made in tel pays et on peut même écrire le jour où cela a été fait. Vous existez parce qu'on vous a mis au monde. Le jour où on vous a mis au monde, vous êtes né. La naissance vous a donné une date. La date vous a inscrit parmi les choses qui existent. C'est pourquoi on appelle les hommes. Les hommes et les nuages et les arbres, on les appelle tous la création. Parce que nous sommes tous des choses qui existent. Faut faire très attention. Suivez attentivement. Parce que vous verrez qu'il y a des mariages qui existent. Et ça, là, mariage, il y a une date, mais le 5 septembre 1993, jour de leur naissance, de la création de leur mariage, mais pas jour où les choses ont commencé à vivre. Tu as compris la différence. Très bien. Deuxième point que je vais dire, toujours sur l'existence. L'existence se définit par le fait d'être, tandis que la vie s'exprime par ce que l'on peut devenir. Je vais aller doucement. L'existence se définit par le fait d'être. Existence, ezali le lenge ya kozala. D'abord, on a dit, l'existence se définit par le fait de naître. Coexister et outil d'abord dans le fait yako botam. Alléluia. Tandis que la vie s'exprime par ce que l'on peut connaître, que l'on peut avoir comme expérience. L'existence se définit par le fait d'être. C'est-à-dire, cette chose a existé. Elle a été créée un jour, oui ou non? Mais elle était qui le jour qu'on l'a créée? Elle était un métal. Elle était du bois. Elle était la peau d'un animal. Au départ, on mettait les peaux d'animaux. On met une substance que je ne maîtrise pas trop. Elle était plastique ici. Alléluia. Amen. 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 Elle était ici vis.
Mais le jour qu'elle a été créée, elle a obtenu finalement une identité. Mokolo, on a appelé percussion. Babinier percussion. C'est ce que vous appelez drum. Amen. Le jour où on l'a appelé drum, c'est le jour où ça commençait à être. Mais quand ils étaient comme ça, mais tant ça existe. On est coexisté. Mais dès qu'on les rassemble, ça commence à avoir une signification. Et comme qu'on soit signification, ça commence à faire quoi? À être. Et comme qu'on soit là. Je vais prendre un autre exemple. Vous êtes une femme, vous êtes née. Mais le jour où vous avez vos menstrues, vous savez que vous êtes femme. Mon colonel est aussi. C'est la seule fois où tu te rends compte que tu as un fonctionnement au-dedans de toi qui nécessite d'obtenir une semence. Si elle n'obtient pas cette semence, ça s'évacue. Tu dirais quelque part, on va dire, tous nos enfants, les enfants féminins, lorsqu'on jette un ballon, ce qui te boit qui balle au milieu, quand elles sont toutes petites, tant dans un ballon de pied, alléluia, elles peuvent taper un coup de pied. Mais dès que quelques minutes vont passer, si ma micro, comment tant les garçons vont rester faire ça, mes balles vont commencer à aller chercher les poupées. Bango, bako baluka, bako kono ka. Elles ont existé de la même manière que les garçons quand elles ont été créées. Mais sur la vie, elles ont commencé à découvrir qu'elles étaient différentes. Mais na kou, mais là, ce sont des commencé à être. Il y a des maris, des femmes ici que tu as épousées, elles existent seulement. Elles n'ont même pas encore devenu. Et là, moi, si nous sommes sur ce elle ne sait même pas comment ce qu'elle est. À quoi même la preuve, quand tu lui parles, elle te dit Yopo le kisi. Alléluia. Elle te dit, mais il n'y a que toi qui a besoin de comment d'aller au travail. Car il y a même toi en apostol. Il n'y a que toi qui doit ramener la nourriture. Elle cherche à faire quelque chose. Je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas travailler. Hein? Mais cette femme-là cherche à faire quelque chose qu'elle n'est pas censée faire. C'est pourquoi on a des femmes dans nos maisons qui existent. Mais simplement, leur définition, elles ne sont pas femmes, elles sont des hommes. Mais ce que tu as tout ma carte, si vous avez tout le monde a été cité femme avant la mais dans ce qu'elle est, maintenant n'est-ce pas sali ce qu'elle est, n'est-ce pas sali homme, elle est homme, avant le bas, non, t'es là, voyez-vous. Or, tout ce que je suis en train de dire là, oh, je le bas, ce n'est pas la vie, il y a un mot qui m'a été, c'est l'existence seule, il y a un mot qui m'a été, existence, le lingé à cause là. Et pour comprendre encore l'existence, vous devez savoir que toute existence a une fin. Mais ce qui vit ne meurt pas. Mais vous n'avez jamais su cela. Yes. Alléluia. Lorsque vous existez, tant vous avez coexisté, le jour où on a mis au monde Charles Mombaya. Il a existé. Quelque temps après, Nicolo, il a commencé à remarquer que quand. Joue un peu de la batterie là, joue un peu. Même la grosse caisse seulement, un truc. Il a commencé à se rendre compte, lorsqu'il entendait le son de la musique, ça l'attirait différemment. Certains de ses amis n'aimaient pas ça. La musique a commencé à lui faire comprendre ce qu'il est. Musique et banico la qui sait à sa man. Il est musicien. Continue, papa. Je te dis d'arrêter. Ça l'a montré qu'il est musicien. Musique et la qui sait que ok, là, ma musicien. Alléluia. Après avoir compris cela, Charles Mombaya, papa Charles Mombaya, est mort des années après avoir chanté. Si ma Nicolo a Koufaki, mais aujourd'hui, mais tout qui n'a le nom, il vit. Azo vivre. Pourquoi?
à cause de ses œuvres. La Bible dit que lorsqu'on meurt, nos œuvres, elles font d'abord, elles nous précèdent. Alléluia. Et après cela, sur terre, elles nous suivent. Elles nous précèdent parce que au ciel, Dieu considère ça pour te faire entrer dans le royaume. Pour te récompenser, j'allais dire, dans le royaume. Mais sur terre, ce sont tes œuvres qui continuent à agir même quand tu n'es pas là. Alors, vous ne vivez pas lorsque vous ne pouvez pas mourir et continuer à vivre. Vivre, je sais que ça vous fait mal à la tête, mais vous allez comprendre après. Et continuer à vivre, Nassim. Amen. 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 Il y a des femmes qu'on enterre, le mari sourit dans le cœur. Il s'est dit, Alléluia. Quelle délivrance. Donc, quand elle meurt, sa vie s'arrête là. Tandis qu'il y a des femmes pour que l'homme là se remarie après. Mais ça devient plus. Pourquoi? Sa femme continue à vivre dans son cœur. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre exister et vivre. Mais ce sont les différences entre coexister et vivre. Amen. Alors, plusieurs d'entre nous, comme au Congo, on a une expression qui dit chance loco. Bamba. Plusieurs d'entre nous, nous considérons que ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, c'est ce qu'on devait faire. Mais si vous faites ce que vous faites aujourd'hui et que ce n'est pas le programme de Dieu, sachez que dès que vous allez mourir, ça va s'arrêter. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Il y a des gens ici qui peuvent quitter l'église. On n'a pas de soucis. Vous savez ça? Aucun souci. Vous n'avez jamais remarqué cela. Il y en a même quand il part. Tu entres dans la chambre pour rendre grâce à Dieu. Merci parce que le frère Kingandi est parti. Il était vraiment une aiguille. Il y en a ici quand il s'absente au culte, on dit ouf, enfin. Parce que lui, quand il vient, il dort au culte. Il m'alourdit quand je le vois. Il s'absente. Tout ça pourquoi? Les œuvres qu'il a empêchent qu'il puisse vivre. Les autres qui s'attendent à vivre. Allons-y, on va comprendre. Regardez. Amen. Je veux vous expliquer que dans la Bible, il y a une réponse à ce qu'on est en train de dire là. Qu'est-ce que Dieu pense de l'existence? En tout cas, faites un effort de comprendre le message d'aujourd'hui pour sortir du rythme de tous les hommes. Vivez comme tout le monde. Qu'est-ce que Dieu pense de l'existence? Amen. Je vais vous donner l'exemple. Ouvrez la Bible dans le livre de Genèse 2:17. Vous allez découvrir une chose bizarre. Très bizarre. Alléluia. Fongo le Bible en Genèse 2. Frère, pendant qu'il cherche, pasteur, tu sais qu'il y a des frères et des sœurs qui sont à l'église ici qui existent seulement. Parmi les membres de l'église, on sait que bon, on a 14 frères, mais ils existent seulement. Yes. Mais ils n'ont aucun impact sur la vie de l'église. Vous savez ça, non? Ils existent. Ça. Vous devez comprendre ça avant de comprendre la vie que nous allons expliquer ce matin. Genèse 2:17 dit ceci. Vous avez pour père, Genèse 2:17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre, n'est-ce pas, de la connaissance, du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Mourras. Alléluia. Amen.
Qui peut me montrer le cercueil d'Adam le jour où il avait mangé le fruit de l'arbre? Exalité. Adam n'était pas mort. Adam a couffa quitté. Mais il y a qui soko leikak. Donc pour Dieu. Nanzambe. Suivez-moi attentivement. Vraiment essayez de comprendre ça. Nzamba sumbayo comprendre. Pour Dieu. Pour Nanzambe. Le fait que tu existes, tu ne vis pas encore. Coexister pour Nanzambe et l'inkolobate revivre. La preuve, le jour où Adam mange le fruit, pour Dieu, Adam est mort, mais Adam n'a pas cessé d'exister. Mokolowa mi ou non? Adam si manaye kolia mbom. Nzamba revivre. Mais à coup de mais à cela qui coûte. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère, venez. Alléluia. Adam, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Adam a mangé le fruit. Adam, il y a qui m'a oui ou non? Adam est resté debout, Adam n'est pas mort. Adam, tu sais qui a retenu ma mère. Amen. Adam a continué à exister. Vous savez pendant combien d'années? 930 ans. Il a existé. Mais Dieu a dit qu'il est mort. Il y a des femmes ici, des mariages ici. Il y a des activités ici qui continuent d'exister, mais aux yeux de Dieu, c'est déjà mort. Vous savez cela? Comme ceux qui ne payent pas leur dîme, ils continuent de travailler, mais le travail est déjà mort. Et ça, on le croit à toi, vous traduisez, mais tu as tout ça là, mais nous sommes assez couffants. Oh. Hein? Oh, amen. Amen. Adam continuait d'exister. Mais Dieu lui dit que tu es mort. Mais il y a le mot couffant. Donc Dieu ne considère pas l'existence comme étant la vie. Ah, les Kalisanzambe n'a existence. Et ça ne va pas faire un bon mari. Là où on va arriver. Là où on va arriver, ça va changer votre vie. Là où on va arriver. Parce que papa, le jeûne et prière, quand ça ne marche pas pour résoudre une situation, pour résoudre une affaire dans laquelle tu es, cette affaire ne t'était pas destinée. Ceux qui jeûnent et prient, le jeûne et prière n'arrive pas à ouvrir les portes de ta vie. Donc, tu n'es pas en train de faire ce que tu devais faire. Dis à ton voisin, écoute ces choses. Le bon voisin, yo kamakambe, le bon la tête. Je vais parler très lentement aujourd'hui. Na koloba lelo na malembe. Encore lentement. Malembe les sous. Parce qu'il faut que tu sortes du raisonnement des Congolais, des humains, des Européens et autres qui considèrent plus leur existence que la vie. Et c'est nous na yena nzela malako oyo opima na lenge ya bato na moki ko kanisa. Amen. Amen. Vous avez compris? Ça, c'est la manière de Dieu de voir. Dieu, déjà, il considère que la vie est différente de l'existence. Et que dit Satan alors sur l'existence? Satan a ce qu'on a l'obéi pour l'existence. Alléluia. Satan. Satan peut te pousser à commettre des péchés, mais sans te tuer. À côté de Kayoye, Satan, au sol à la caca, ma soumou, mais en soi de maïté. Tu commets seulement les péchés. Au sol à la caca, les soumou. Alléluia. Vous savez pourquoi? La Bible dit dans Jean 8, 44, vous avez pour père le diable. Amen. Amen. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Pourquoi on dit meurtrier dès le commencement? Parce qu'il avait tué quelqu'un où? Au commencement. Et qui l'avait tué au commencement? Qui est-ce que Satan avait tué au commencement? Comment? Adam. Je ne vous entends pas. Adam. Je ne vous entends pas. Adam. Satan avait tué Adam au commencement. Satan reconnaît qu'il a tué Adam. Mais jamais Satan a vu la dépouille d'Adam. Mais il sait que j'avais tué Adam. Donc Satan sait qu'il ne doit pas viser votre existence, mais il doit faire en sorte de compliquer votre existence pour vous voler votre vie. Ayez bien que existence pour naïve en atinate. Azo nous quand on vit naïve, ako bungisande existence naïve pour nakoli baïe de moi. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi les choses ne marchent pas. Le but c'est qu'il te vole la vie. Pour ça naïve.
Je prends un exemple. Il y a des chrétiens ici qui disent amen. Amen. Vous êtes chrétien, dites amen. Amen. Non, dites ça comme les païens croient en eux. Vous aussi croyez en votre chrétienté. Dites amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes chrétien. Vous l'êtes, oui ou non? Oui. Amen. Oui ou non? Amen. Mais plusieurs bouches qui viennent de dire ça ont déjà dit de leur bouche, l'imbi n'a pas ressemblé là. Mais où tu le bas amen si quoi? Mais il y a des gens qui ont dit que je suis fatigué. Plusieurs. Oui. Ce qui veut dire que la vie, quand ils viennent à l'église, ils prient et tout ça, ça existe vraiment. Mais le diable a compliqué leur vie, leur existence, pour que dans cette existence-là, qu'ils puissent voler la vie de Dieu. Satan a yende a sali bongo na bongo na bango. Vous êtes là pour éveiller les retraites, mais vous ne vivez pas spirituellement. Bovandi, boye, bosangani, pour na baveiller na ba retraite, mais beaucoup. Quand ça va être le problème, tango mlikabuye. Sérieux. Parce que vous a volé quelque chose. Bah, yibio, on vous a volé votre mari. Bah, yibio, vous savez, on vous a volé votre argent. Bah, yibio, vous serez ici prendre la décision d'aller voir qui? Mingi katina bisu na pasuana. Oui, on vous a le canisa. C'était dimanche où ça? À l'église. Qu'est-ce qui a fait qu'on vole maintenant sa vie? Les difficultés qu'il rencontre. Oui, mais ça, c'est existence na ye. Alléluia. Oh, le pasteur Lévi, c'est l'homme de ma vie. Oh, j'aime le pasteur. Non, tu n'as jamais aimé les hommes élancés. Jamais. Tu n'as jamais aimé les hommes élancés. Mais comme le cola, François t'a déçu. François a péché beauté ma passe à Tikio. Alléluia. Soudainement, tu as commencé à apprécier Lévi. Obaluki n'a pas si wana, obandi ko lula motamolai. Alléluia. Le diable complique ton existence. A péché et vous ne pas pour te voler ta vie. Attends, j'ai une question à vous poser. Non, tu as posé cette question aussi, David. David a dit que les méchants prospèrent. David a dit vous savez pourquoi vous voyez quelqu'un continuer à travailler, prospérer, il a beaucoup d'argent, il a des maisons et tout ça. Amen. Vous voyez? Vous vous dites, ah, mais non, mais lui, il est bien. Satan peut aussi permettre que tu aies la gloire de ce monde juste pour te voler la vie. Jésus était venu pour mourir, où ça? À la croix. Sous-là. À croix. Cette croix devait être était placée où? À la montagne. Sur une montagne. Une heure? Le jour où Jésus rencontre Satan dans Matthieu 4 et Luc 4, Satan et Jésus se rencontrent sur une montagne. Et là, Satan propose à Jésus de prendre la gloire de la terre. Jésus pouvait prendre cette gloire. Il ne mourrait plus sur la montagne de Golgotha. Satan peut te mettre sur une montagne, mais pour te priver d'aller sur la vraie montagne. Yes. Tu es dans une gloire qui n'est pas la gloire qui t'a programmé. Et Bengui, c'est ma peau. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Yes. Alléluia. Il y en a qui épousent une femme claire parce qu'il aime les métisses. Mais il ne t'aime pas. Mais il ne t'aime pas. Je ne sais pas si tu comprends. Tu es dans une gloire comme les femmes de tout. La plupart des grands hommes peuvent voir des femmes d'une couleur plus tapante. Le coup la base, vous le savez, sauf les grands hommes de terre sacrée. Les grands hommes de terre sacrée, yes. Pleines, les femmes qui leur sont destinées. Amen. Le bas, de ce monde. Le distrait de ce monde peut prendre ce qui frappe. Et il dit ceci, comme quand je veux sortir là où je veux aller, il faut qu'on me voie avec une belle femme. Il n'aime donc pas votre personne, il aime votre forme. Oh,
La forme est une chose qui va se modifier. Le lenge est bon dans la cao, mais la personne non. Mais mon tonton. Avant une dans la main, il y a deux lenge. Vous aurez des sculptures qui vont tomber. Vous aurez le lenge au coya. Vous aurez des chemins qui vont être brûlés. Vous aurez la banzela au baby sami. Vous aurez des tissus qui vont perdre leur beauté. Vous aurez un poisson au coton. Mais vous serez. Elles cesseront d'être lisses à cause de son histoire. Mais la personne qui l'avait aimé, si c'est toi qui l'avais aimé, la personne qui a aimé, a t'aimé. A kolembato kolinga. Tu as compris cela. Le but de Kino Ngoy aussi là. Alléluia. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que la vie? Ce que Gomoy. La vie Zanini. La vie. Gomoy. La vie de Nini. C'est le fait d'exister dans Dieu. Ah, bon moi, ezalinde coexister katina nzambe. C'est le fait d'exister dans Dieu. Yango ezali coexister katina nzambe. 1 Jean 5 12 dit ceci. Mm-hmm. Celui qui a le fils a la vie. Oyo azana mwana azana bon moi. Fais un effort. Mais celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Oyo azana mwana nzambe te azana bon moi te. Amen. Oh, si vous êtes fatigué, mettez-vous debout, comme au Nigeria, on fait souvent. Prêche au Nigeria, si les serviteurs qui ont... parce qu'hier, ils ont beaucoup travaillé ici. Mm-hmm. Si vous êtes fatigué, vous restez debout. La Bible dit, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Oh, là, a moins la tête. Papa, je ne sais pas si vous venez d'entendre ce que je dis là. Amen. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Comment pouvez-vous chercher à devenir comme les stars de ce monde qui n'ont pas Jésus? Ils ne vivent pas. Mais celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Quand vous allez suivre le message, à la fin du message aujourd'hui, la soupe à cacalolo. Vous comprendrez que avoir la vie, c'est la seule chose qui est nécessaire pour pouvoir vivre sur terre. La vie, c'est lorsqu'on vit en Dieu. C'est-à-dire quand on a Christ dans sa vie. La vie, c'est lorsqu'on a Jésus en lui. Alléluia. Ce message que Satan voudrait rendre le message le plus rare de l'église, Satan sait que ne prêchez pas ça pour que le peuple n'ait pas la vie. Il va laisser qu'on vous prêche la gloire, la prospérité, la richesse. Prospérité, la prospérité, que celui qui a l'argent n'a pas la vie. Mais celui qui a Jésus, c'est celui-là qui a la vie. Mais il peut être pasteur sans avoir Jésus, hein, les amis. Ça s'étudie à l'école. Ça s'étudie. Comme ceux qui m'appellent abusivement révérend. Je n'aime pas être appelé révérend. Dieu ne m'a jamais appelé être révérend. Il m'a appelé être pasteur. Alléluia. Ça s'étudie. Comprenez-vous cela? Amen. Donc, vous pouvez être pasteur, mais ne pas avoir Jésus. Hein? La Bible dit, vous le reconnaîtrez par quoi? Voilà, vous voyez un pasteur qui n'est pas humble. Il n'a pas Jésus. Il n'a pas le fruit qui justifie que Jésus est là. Amen. Jésus n'a jamais dit, vous le reconnaîtrez par leur onction. Vous le reconnaîtrez quand les gens vont tomber. Quand les malades seront guéris. Matthieu 7, 21 nous dit que les gens diront, n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Faire le miracle ne veut pas dire que vous avez Jésus en vous. Je veux donc dire à celui qui aimerait être un grand homme de Dieu qu'il commet l'erreur de chercher à devenir un grand homme de Dieu au lieu de devenir un grand homme homme Dieu.
Dieu vous connaît-il? Vous connaît-il? Vient-il pour vous parler tête à tête? Il arrive là quand vous jeûnez seulement. Parle-t-il que dans l'église? Quand le pasteur est passé à la maison? Comment faites-vous pour dormir avec une femme d'autrui ou coucher avec une sœur en Christ sans que le Jésus là intervienne? C'est vrai que quand tu viens à l'église, qu'on prêche, que tu pleures en disant: ah Jésus, j'ai écouté ta parole, ça m'a fait mal. Mais quand tu étais là-bas, Jésus, il était où? Ça veut dire quoi? Tu n'as pas Jésus. Quand Jésus t'est éclairé comme une torche, ça veut dire que tu n'as pas cette lumière. Amen. Quand il faut qu'on allume pour que tu voyes, tu n'as pas Jésus. Ah. Il faut qu'on t'explique. Dites avec moi, passer à l'une. Allume. Il faut qu'on te censure. Dites avec moi, passer à l'une. Allume. Il faut qu'on te visite. Dites avec moi, passer à l'une. Allume. Il faut qu'on prophétise. Dites avec moi, allume. Allume. Il faut qu'on te conseille. J'éteins. Nakangiango. Donc dès que moi j'arrête, faut qu'on nakangi. Toi aussi Dieu s'arrête. Je peux courir ensemble, babou. Bien. Donc n'as pas Jésus. Oui, on a Jésus terre. Un grand serviteur de Dieu avait un jour dit une phrase qui était considérée comme une insulte. Il avait dit: si vous n'êtes pas chrétien, alors vous êtes des chrétiens. Monsieur l'ensemble de moi, le baga phrase, monsieur la passe. Abisoko bosa ba Christ te, alors bosa ba chrétien. Nami kebi sipo na kolim bolango na ningala yeza passe. C'est quoi la vie? Ni yeza bemoi. La vie, c'est la réalisation du projet divin sur la terre, du projet de Dieu sur la terre. Et ça lit qu'au salamayali kanisi yanzambe awanasena ma. Dites avec moi, amen. Amen. Lorsque vous faites ce que bon vous semble, parce que vous dites c'est ma vie, ça n'a jamais été votre vie. Ce que vous sala, alléluia. Et ça l'a quand vous dites je peux me suicider, oui, mais vous cesserez d'exister, c'est tout. Vous ne pouvez jamais affecter ou vous ne pouvez jamais détruire la vie. Vous ne l'avez pas entre vos mains pour la contrôler. Et ça, vous pouvez arrêter votre existence en vous empoisonnant. Mais quand tu vas mourir, mais tu es mort une fois pour toutes. Mais tu ne peux pas dire je fais de ma vie ce que je. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu n'as que l'existence. Je suis une femme, je fais de mon corps ce que je veux. Oui, ah bon? Tu as dit, je suis une femme. Ah, tu fais de ton existence ce que tu veux. Ah, on mais sache que la même chose que tu utilises avec les voyous, en les vendant dans les bars et consorts, cette même chose aurait été cherchée par un puissant roi qui voudrait t'épouser et il utilisera cette même chose-là. Tant que nous causons kabakaba dans le programme de Dieu, mais quand on dit qu'on en sera dans un bar, la même chose qu'il va utiliser là. Quand il va dire, tu es merveilleuse au lit. La même chose qu'il va dire. Tu protèges toute ta famille. Tu utilises. Toi disais, c'est à moi. Dieu a son utilisation. Si tu le laisses le faire, il peut te rendre la femme la plus heureuse sur terre. Amen. Comme les bons garçons qui parlent bien aux femmes, qui disent moi en tout cas quand je drague une fille, oui frère, tu sais bien parler. Mais si cette chose-là Dieu peut l'utiliser. Mais ce qui m'a ramené, s'il peut l'utiliser avec ton épouse, c'est ton épouse qui sera la femme. Moi, tu existais jusqu'au jour où tu t'es marié, tu as cessé de vivre. Tu existais. Un bon coureur de jupons, un bon parleur. Mais à ta femme, tu n'arrives pas à lui parler. Pourquoi? Tu ne vis pas, papa. Tu ne fais que exister. Alléluia. Alors, je vous assure, beaucoup de gens existent ici, mais ne vivent pas. Il suffit que nous arrivions le 31 décembre pour te voir sur ton 31. Toujours comment? Sans amis, le caca, ça la kimia. Un jour de fête pour te voir très bien habillé. Le parfum que tu mets, c'est lorsque vous sortez.
Mais quand tu es dans ta vraie position, mais quand tu ne vis pas. On vit vacaté. Mayami sokaka ozo sopa maine lobaye baté. Amen. Amen. Alors, la vie, la plénitude de la vie, c'est découvrir et vivre tout ce qui était prévu pour nous. Ezali ko découvrir to ko ko yeba oyo nyonso bongisama pe na biso pe ko bika yango na sena moi. Dis à ton voisin que si tu ne découvres pas ce qui yo au découvrir te yebisa boninga pe na ce qui était prévu pour toi oyo bongisama pe na yo, tu ne commenceras pas à vivre. Okobanda ko vivre te. Alléluia. Amen. Oh, amen. 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 Est-ce que quelqu'un a compris? Yes. Laissez-moi alors vous donner des exemples. Avant d'arriver à ces exemples, je veux faire une remarque importante. Papa, peut-être dans ton cœur tu doutes. Tu te dis non, mais il y a des païens. Ils vivent bien. Ils ne vivent pas bien, ils existent. Bien. Ils existent. Vous voulez qu'on ouvre la Bible? Est-ce que vous voulez qu'on ouvre la Bible? Oui. Parce qu'il y a un pasteur un jour qui a dit, j'ai atteint un grand niveau parce que je prêche sans ouvrir la Bible. J'ai dit, ah. voilà un égaré. Voilà un vrai distrait. Voilà un vrai perdu. Voilà un... 2 Pierre 1:3. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3, comme sa divine puissance, la puissance de qui? De Dieu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à quoi? À la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre, et c'est par sa vertu. Qu'est-ce qui nous a donné tout ce qui est nécessaire? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à quoi? À la vie. Dites-moi. Dites-moi maintenant. Qui peut vivre sans Dieu? Personne. Pour vivre, il faut obtenir cela de Dieu. Amen. C'est la divine puissance de Dieu qui nous donne tout ce qui va contribuer à notre vie. Pasteur, il faut que je me marie pour bien vivre. Qui t'a dit ça? Non, mais c'est le bon, je vivre. Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui nous donne ce qui va contribuer à notre vie. Je vais vous parler de 4 hommes qui étaient comme vous. Ils existaient et ils ont failli rater la plénitude de leur vie. Ils ont failli vivre une vie qui n'était pas destinée pour eux. Ils ont failli prendre une vie qui n'était pas réservée pour eux. Ils ont failli ouvrir une église qui n'était pas destinée pour eux. Ils ont failli aller à Paris pour chercher la vie qui n'était pas destinée pour eux. Et comment ils sont allés en Guangzhou pour commencer le commerce qui n'était pas destiné pour eux. Ils ont failli épouser Paul et François parce qu'ils aimaient ce garçon soi-disant, mais en réalité cela n'était pas destiné pour eux. Il n'y a qu'un François que Paul David. C'était un homme expérimenté. Être le troupeau. David pouvait être un grand maître, un grand chef. Il pouvait en avoir plusieurs. Carrière. Il pouvait avoir des champs à perte de vue. Il pouvait avoir des brebis à perte de vue. Il aurait pu choisir cette vie. Il pouvait se dire, voilà, au moins moi, Dieu, au moins moi, mon père m'a laissé avec ça. Papa Nanga a passé matin au plusieurs. Plusieurs nous disons souvent que David, son père ne l'aimait pas. Mais si son père était sur le point de mourir, ce qui papa n'a pas équipé et qu'il avait besoin qu'on puisse protéger le reste de ses enfants. Et le Nagi sera seigneur de te battre la banane. Il a demandé à qui de gérer l'affaire.
à David là. À David. S'il donnait ça à son aîné, son aîné là n'allait pas bien gérer la famille, n'allait entrer dans la maison. David pouvait être ce grand homme là. David, David a un jour compris ce que Dieu avait destiné. On donner la nourriture. Dites avec moi, envoyer donner la nourriture. Envoyer donner la nourriture. Quand il arrive donner la nourriture, il fait une découverte à découvrir qui a changé sa vie. Toutes les fois, quand il est venu dans les champs, comment on appelle l'endroit où on se parle, champ de bataille. Quand il venait dans le champ de bataille, il entre là, à côté, on savait que c'était le cuisinier de ses frères. Amen. Il emmenait quelque chose à manger. Mais un jour, il entend que celui qui va tuer Goliath, on lui donnera la fille du roi. David se dit, c'est ça le commencement de ma vie. Alors, ici là ma vie va commencer. Il dit là les choses vont démarrer. Est-ce que me suivez? Il oublie qu'il devait ramener les assiettes. Mais il affronte Goliath. Or, derrière ça se trouvait la royauté. Si on a devenir un grand maître de chant, il pouvait avoir beaucoup de troupeaux, mais il ignorait qu'il pouvait devenir un jour roi. Mais dis à ton voisin de ma part, l'homme que tu aimes, je sais que tu l'aimes. Mais es-tu sûr que c'est lui? Est-ce que vous pouvez avoir une belle carrière avec lui? Mais ne sais-tu pas qu'il y a des hommes qui peuvent te faire devenir des reines? Aujourd'hui, où en es-tu? Certaines personnes âgées ici peuvent dire cela. Elles peuvent vous enseigner ce que je vous dis avec des exemples. Mes fils, ne commettez pas la même erreur que moi. Parce qu'aujourd'hui, elles ne seraient pas ce qu'elles sont. Laisse-moi te parler de Moïse. Il voilà encore un grand homme. Oh, il était le prince d'Égypte. Ce n'est pas ministre des Affaires étrangères. On destitue le ministre. On destitue pas le prince. Quand le papa est mort, il est mort, vous prenez. Ce qui papa il était un prince considéré prince. Imaginez la prospérité. Imaginez la gloire qu'il avait. Mes frères et sœurs, Moïse a senti que ici, ce n'est pas la vie pour moi. Vous avez fait des vies qui vous semblaient être roses. Vous avez choisi des vies qui vous semblaient être roses. Mais vous avez loupé la vie qui vous était destinée. Du coup, vous ne vivrez jamais la plénitude. Qui a dit que l'identité que vous avez est l'identité que vous devriez avoir? Comment s'appelle votre femme? Madame qui? Hein? Madame Boma Maneg. Qui vous a dit que c'était le vrai nom qu'elle devait porter? Hallelujah. Aujourd'hui, vous êtes coincé par beaucoup de versets bibliques. Verset là qui vous ont emprisonné. Et quand Dieu donne un cachot, Dieu a dit elle est divorce. Tu as vu? Tu as vu dans quoi tu t'es retrouvé? Quand je dis maintenant, tu comprends. Mais quand le frère va venir, tu ne me comprendras plus. Tu vas encore m'oublier. Quand tu vas tomber dedans, et quand tu fais du mal, et là, tu vas encore me comprendre. L'homme comprend souvent mieux dans les problèmes. Pourquoi? Alléluia. Moïse, prince d'Égypte. Grand homme en Égypte. Très grand homme. Mais Moïse abandonne le prince d'Égypte, cette principauté. Qui tu es? Il ne savait pas que derrière prince d'Égypte, il y avait plus grand que ça. D'être le prince d'Égypte. Si ma la prince, il y a mon derrière ce que vous faites là. Dites à votre voisin, il y a plus grand.
y a plus grand. Derrière le, la principauté d'Égypte, il y avait héros national. Sima, Moïse est un héros national pour Israël. Aza héros pour Israël. La colonisation s'est arrêtée après beaucoup de guerres ici. Awa. Et dans tous les autres pays d'Afrique. Le seul pays qui est sorti de la colonisation, par un ainsi dit l'Éternel, c'est l'Israël. C'est Israël. Yes. Sans guerre. La seule guerre qu'ils ont eue, c'était les anges qui combattaient contre les colons. Yes. Vous avez perdu combien de gens pour votre indépendance? Soi-disant. La prière ne peut pas tout régler. Il y a une nation qui n'est plus jamais revenue sous le joug des Égyptiens. L'Israël. C'est Israël.